Salut tout le monde, c'est Alex le serveur, bienvenue à Bourg-Saint-Eustache. Nouvel épisode en attendant le prochain DLC, Mass Transit, qui sortira à la mi-mai. Et j'ai vraiment hâte d'avoir des dirigeables et autres, je sais pas quoi, des téléphériques aussi je crois. Il y aura des tas de nouveaux transports en commun, il y aura le système de correspondance, tout ça. Et c'est bientôt. Dans un petit mois. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On en a combien d'habitants? 66 000. Ce serait bien qu'on avance. Je crois que c'est 70 000 la prochaine. Hop, ça connaît. 80 000. Oula. Je m'étrangle tellement c'est fort. Ok, bon bah on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Pour le coup, on n'a rien à acheter. Bon. Ok. Eh hey, mon ami et collègue Rémi. Kikou. Ok. J'avais refait un petit peu tout ça, là, les autoroutes, machin. On avait développé la rive gauche. On avait fait un petit tramway, tout ça. C'était génial, le tramway. Ah oui, il y avait ça ici. Mais j'avais ça à finir. Bah. Je l'avais pas fini. J'ai un gros doute. Je me suis arrêté comme ça en plein milieu. Bon. Ok, pourquoi pas. Ah, parce que je voulais surtout la relier par ici, en fait. Ok. Ouh, je vois que ça ramouille un petit peu. On baissera la fluidité la fois prochaine. Bah oui, je commence forcément à avoir une ville énorme. Et les PC, ça aime pas trop les jeux de gestion. Hein. Forcément, avec les mouvements de caméra que je fais en plus. Je commence à galérer. Chut. Oui, les jeux de gestion, c'est extrêmement exigeant. C'est tous ces petits calculs à faire, là. Tous les petites voitures. Alors. On va s'occuper, du coup, de ceci. C'est marrant, la musique me dit quelque chose. Ah, c'est pas... Classical... Il me semble qu'il y a une des playlists qui prend des musiques d'autres jeux, justement, de Paradox et tout. Donc ça se trouve, j'ai entendu dans un autre jeu. Magnifique cette musique. Ça fait très RPG en fait. Voilà. Alors oui, bon, je m'occuperai du bon raccord au bon moment après. Bon allez, passer quand même ce truc. C'est chiant les pylônes. Oh, voilà. Ok. La même chose à côté. Bien. Un petit arc de cercle. Pas trop mal. Alors attends. Jusque là. Oh, intéressant. C'est pas trop mal. Ah, elles sont... Non, ça va pas. C'est un peu trop écarté, en fait. Des os. Ne soit pas si écarté. Alors, peut-être que, déjà, si je faisais... Ok, voilà. Déjà, on a jusque là. Voilà. A priori, ça devrait rattraper. Même si là, c'est un peu écarté, au moins, ça passe. L'objectif, ça va être de relier avec... Taratata, c'est où? C'est où? Oula. Ah oui. Ok.
Brum. Brum. Ta 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 ta. Ah mais non, j'ai tellement hâte d'avoir le nouveau DLC là. Celle-là, on a la musique des Sims par contre. Alors. De là! Eh, c'est relativement droit. Peut-être le mettre directement. Droit. Ouais, ça va. Pourquoi il me fait un pont? Ok, le mec s'est dit, oh, je vais faire un petit pont là parce que voilà, pourquoi pas? Bah écoute, si ça t'amuse. Ah, parce que t'étais plus haut, d'accord, ok. Si tu veux, c'est joli. Allez, on va dire que c'est joli. Alors, par contre, du coup, on a les petits problèmes de... Comment c'est relié? Hop, et là. Bim! Et ben voilà! Et ben voilà! Je serais bien tenté de remettre un rond-point supplémentaire par là. Dans le sens. Dans le bon sens celui-là. Anti-horaire, hein. Anti-horaire, oui. Genre là. Parce que là, c'est quand même une grosse artère. Donc ici, ça peut être pas mal. Alors, pas faire de bêtises encore une fois. On descend. Hop là. Alors. On va prendre de la place. Hein. Là, on est dans le sens horaire, donc anti-horaire par là. Allez. 2. Bon, je le fais en forme de. Non, je sais comment je vais faire. Je vais faire une patate. Ça va être plus simple à faire. Faire une jolie patate. Jolie patate. Et voilà, j'ai ma jolie patate. Alors, jolie patate, du coup, avec hôtel. Alors, du coup, la bretelle. Il tourne dans quel sens? J'arrive pas à voir dans quel sens il tourne. Bon, je vais mettre une... Je vais le relier déjà. Ah oui, bah oui, tu tombes en plein sur le poteau là. C'est con. Et là, on dirait Amélie Poulain. Franchement, on dirait pas de musique d'Amélie Poulain. On dirait de musique d'Amélie Poulain. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes des gens de goût!
tourne dans le sens horaire. Pourquoi on tourne dans le sens horaire? Ça va pas. Anti-horaire, on a dit. J'espère que c'est ça, hein, si je me souviens bien. Vraiment que je passe le permis pour mieux jouer à ce jeu. Hein. Oui, parce que lui, s'il tourne, il va aller directement là. Et lui, s'il tourne, il va aller là. Ils vont pas se croiser. Et comme ça, c'est très très bien. Ok. Les petites bretelles. Du coup, on roule comme ça. Tac, si on veut aller par là. Voilà. Ou alors, je les mets... Ça va prendre la place. Ça me fait penser, on a toujours, toujours pas eu de désastre. Toujours pas. On va pas s'en plaindre, hein, mais c'est vrai que pour ajouter un peu de piquant à la partie, ça aurait été sympa. Donc, eux qui veulent descendre. Oula, c'est sec, hein. Froum. Bon, au moins... chemin. Ok, et là du coup, s'ils veulent partir ici, ah non mais non, mais là par contre non, là, là c'est un peu too much, hein, quand même. Voilà. Et du coup, vous, si vous voulez... Non, par là, ok. Et ben voilà. Ah, voilà. Content. Loup content. Sans anti-horaire, sans anti-horaire, c'est bien. Du coup, observons. Parce qu'il y a forcément des problèmes quelque part. Là-bas. Ici. Alors là, c'est toujours le... Oui, alors là aussi. Là, c'est le drame. Hein. Dans ce coin de la ville, ça ne va pas du tout. Oui, parce que forcément, eux descendent. Donc, ils bloquent là en plus. Alors, pourquoi eux, c'est la galère ? Je sais pas. Observer, observons. Alors, il tourne là, machin. Bon, effectivement, il y a beaucoup de carrefours aussi. Ça qui est embêtant. Les autres qui tournent. Je ne sais pas trop là. Pourquoi là il s'arrête par exemple? Ça n'a pas de sens. Il y a un feu. Il y a un putain de feu là, sur la bretelle. Pourquoi il y a un feu sur la bretelle?
mets une bretelle, ça. Ça sert à rien de feu sur une bretelle. Oui, forcément, s'il y a un feu, ça va être la galère. Là, je suis un petit peu perdu. Voyons voir. Ouh là là, arrête de ramer. Ça m'embête. Ça m'énerve. Je suis perplexe. Bonjour, je suis perplexe. Déjà, pourquoi il n'y a pas de bâtiment là? En termes de zoning. Bah ouais. Un peu de perte de bâtiment là. Comment ça se fait? Bien bizarre. Ok. Va falloir qu'on réfléchisse. Oh, il y a de la demande pour une fois, dites donc. Eh ben, on va en profiter. Du coup, la demande, effectivement, j'ai pas mis de nouveaux quartiers. On va peut-être dessiner des nouveaux quartiers plutôt que se demander comment régler ça. Mais effectivement, là, le fait qu'il y ait des ronds-points, c'est un gros problème. Il faudrait mettre un... Non, le fait qu'il y ait... Le fait qu'il y ait des... Pas des ronds-points, des... Des feux rouges. Il faudrait un rond-point. Il faudrait un rond-point. Je suis fou! Je ne devrais pas le faire maintenant, mais tant pis. Je suis sur ma lancée. Je veux faire une belle ville. Donc, je détruis les villes que je viens de construire. Enfin, les bâtiments. Alors, là, je sais pas, j'ai dû foutre la merde. Oui, il y a un hôpital d'ailleurs. Tac, tac. Voilà. Alors, ça va être un petit peu just, mais on va essayer quand même. Tracer quelque chose ici. Anti-horaire. Oh là là là. Donc quoi je me suis lancé là? Je fais une méga patate. Si je fais en mode patate comme sur comme sur là, ça devrait passer en fait. Pourquoi il veut pas? Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous les pylônes à prendre en compte. Ah, on fait passer entre les pylônes. Je vais devoir faire pire. Je sais, vous en avez besoin, machin, mais ça va revenir. Allez, on tente. Déjà, j'avais pas envie de péter les gros bâtiments qu'il y a là. Cela, à la rigueur, je m'en fous. C'est de maximiser l'espace. Bon, ça va pas être rond, hein, mais c'est pas grave. C'est pour le principe. Alors, ça va être chaud, chaud, chaud de tout relier. On va pouvoir le faire. Gros drame. Mon dieu, on n'est plus relié. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça passe. Oh mon dieu, miracle. Presque trop beau pour être vrai, ça m'inquiète. Waouh, au taquet, hein, les voitures. Waouh, c'est bon, on revient.
Bretelle. Alors, du coup, il en faut une qui descend. C'est là où ça va être la chienlit. Voilà. Pom pom pom, ok. Ça passe. Là, forcément, c'est un peu plus galère. Et idem, vous, pour monter, c'est un peu galère aussi. Quoique. On s'en fout, tu peux... Non, mais vas-y, pète les zones là, on s'en fout. C'est le cas. Ah! Pas trop timide. Ça m'embête. Cette route-là est nécessaire. Cette route-là est carrément pas nécessaire en fait. Ils peuvent transiter par là. Attends. Attends deux secondes, on va faire d'autres petits malheurs. Voilà. Pas content, pas content, pas content. Des os, pas des os. Si. On change tout. Heureusement qu'il y a cette musique douce, hein, parce que sinon je suis en train de péter un plomb, je pense. Alors, on va reprendre. On va faire une patate. Parce que les patates, c'est cool. Pourquoi les patates, c'est cool? Parce que ça permet d'être un peu plus allongé et d'être tranquille. Faut juste que je puisse passer au-dessus. Et ça, c'est pas grave. Alors. Donc là, c'est la moitié de ma patate. Anti-horaire. Moitié de ma patate. You're listening to the classics, the city's home for the hits from the 80s, 90s and onward. 1780s and 1890s, that is. I'll be playing some lesser-known gems from those eras. Ok, voilà. C'est pas du tout la bonne route. Oh, loulou. Misère. Non, mais... Oh, loulou. Quoi? Ah, c'est bon. Ok. Voilà. Repatate. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on tourne comme ça, et là c'est pour aller dans quel sens? Oui, pardon, deux secondes. Alors, je sais que vous êtes très nombreux à suivre d'ailleurs mes let's play de Cities Skylines, et je vous en remercie. J'ai fait un petit sondage vite fait pour savoir ce qui était le plus populaire parmi mes let's play, et vous avez été très nombreux à me répondre Cities Skylines, j'étais assez étonné quand même. Si
même chose de l'autre côté serait parfait. Au pire, on peut un peu décaler sur la gauche, la route. Je sens qu'on va devoir. Ouais. J'espère que je vais pas trop galérer à la construire, là. D'ailleurs, j'aurais dû mettre de l'herbe. Herbe. Ah oui, la patate, elle est bien moche, là, maintenant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si elle est fonctionnelle, c'est le principal. Déjà un très bon point. On ne juge pas les patates au physique. Un peu peur que ce soit trop galère. Pourquoi tu veux pas... Ah. Ok. Ah. Ah, c'est embêtant. Autre solution. Oh mais non, mais là t'es censé pouvoir quand même. Fuck. Je suis un peu énervé. Vous me niquez ma patate, hein. C'est grand suspense là. Là. Mais... Il le fait exprès en plus le jeu. Wow! Bien fait pour toi. Alors, on va y arriver, hein. Allez, je sens là la musique, elle est avec nous. Oui, bah voilà. Et ben voilà. Bien, on a plus qu'à tout relier. Ok, parfait. Oui, celle-ci, opti. Oui, peut-être la relier aussi.
une autre paire de manches. Parce que c'est chaud, il y a... Ça ne veut pas à cause des rails. Eh, c'est des gros travaux, là. On réaménage complètement le quartier. Alors, je vais vite reconnecter le train parce que je vais oublier, hein, je me connais. Voilà, il veut bien. Ok, maintenant, alors la route, là, ça va être une autre paire de manches encore. Peut-être que je me consacre quand même plus à... la ville plutôt que m'amuser à faire tout ça quand même. Mais voilà, mais c'est parfait. Mais n'est-ce pas parfait? Mais voilà. Eh, franchement, si j'arrive à supprimer ce problème de... comment dire, embouteillage, voilà. Plein milieu de la ville, ce serait juste parfait. Ça a l'air d'être plutôt fluide là. Je suis assez content de moi quand même. Ça bouchonne déjà. Oui, forcément, avec un petit carrefour. C'était trop beau pour être vrai. Feu rouge, forcément à cause de là. Est-ce que je pourrais pas faire un tac-tac plutôt? Je pose la question. Détruire des bâtiments, mais bon, c'est pas grave. La route. Ok. Pourquoi on peut se connecter là? Bien sûr qu'on peut se connecter. Voilà. Et cette petite route-ci. Trop courte. Voilà. Et ben voilà. Tac. Et ben voilà. Et ben franchement, le résultat est vraiment pas si moche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire. Moi je trouve ça plutôt pas mal au final. Ça a une belle gueule. Avec tout ça, maintenant,
peut-être qu'on avance sur la population, parce qu'effectivement, on stagne un petit peu, là. Ici, Priritpan, donc on avait mis plein de petites maisons. Des trucs de basse... comment dire... Basse densité, voilà, parce que c'est là où on fait pas mal d'enfants. Alors, j'en profite pour couper la prairie de pan ici, voilà. Là, c'est la fin de la prairie de pan. Mettre des lignes droites pour une fois. Change un petit peu. Pas trop non plus. Ok. Alors, habitation. Comme c'est plutôt central, on va se concentrer sur les habitations. En plein milieu, on va mettre un joli petit parc. Petit parc. Ah oui, je sais aussi pourquoi ça rame un petit peu. J'ai augmenté la qualité d'enregistrement. Ça joue. Les vidéos seront plus belles, mais du coup, ça accroche un petit peu. Commerce. Peut-être pas des commerces de forte densité. Hein. Un petit coup de pinceau. Et puis là par contre on peut carrément se faire pouf paf pif. Voilà. Les habitations. Comme ça la gare va pouvoir être enfin fonctionnelle. L'électricité va arriver. Car je suis radin, j'ai pas envie de construire des... Non, je suis paresseux, j'ai envie de mettre des lignes électriques tout de suite. Pop-pop-pom. Alors, au niveau des quartiers, comment ça se passe? Ici, on est encore en plein dans le square d'Apollon. Alors, il faudrait pareil que je fasse une délimitation. Là, hein. Poupoum, poudoum. Alors par contre ça va être un peu relou de passer entre tous les piliers comme d'habitude. C'est impossible. C'est trop le bordel si je fais ça. Mais il faudrait quand même. Zut. Voilà. Oui, pardon, les maisons. Voilà, on va vous reconstruire, n'inquiétez pas. C'est quoi ce petit bâtiment sympa? Qui êtes-vous? Une clinique, mais oui, une clinique. To have you back. I've got an email from a listener who asks you only play ancient music, play something new. Well, concerned listener, I think you are confused.
We don't play any music from antiquity. You're thinking of our rival Plato 880 at 88.4. That's classic. J'adore ces petites phrases. Actually, all the music you hear is quite recent. Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Sur le point de survenir. C'est bon. Ok, j'ai lancé les. Est-ce que la catastrophe est levée ? Évacuer. Ok. Ordre d'évacuation en cours. Oulala ! Tout rame. Ok. Tout le monde est en train d'évacuer. Je pense que... Oui, alors du coup, oui. Ça fait... ok. Le jeu souffre énormément. Forcément, vu que tout le monde essaie d'évacuer. Désolé. Est-ce qu'il y a des abris? Je voulais me voir près d'un abri, justement. Anti-atomique. Ça, ça n'est rien, je crois. Ça devrait moins faire ramer. Voilà, il n'a pas à gérer la petite voiture. Mais quand même, il galère quand même. Hein. Notre premier danger. Oh là là ! Ah oui ! En plus, ça a frappé là. Ah ouais, alors là, par contre, on sera dans le cake. Hein, parce que quand même des morceaux d'autoroute. Donc ça va être... Ah oui, ça coûte cher une paralysie des services de la ville. Il est mort un petit peu partout, il faut que je rajoute des incinérateurs. Est-ce que le tremblement de terre pourrait frapper histoire qu'on soit... Hein ? Oula, allez. Secouez bien, sinon la pluie va rester en bas. Earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. On panique pas. Oh purée, on panique pas. Oh putain. Je vais devoir tout construire. Ils ont pété le trèfle. Bon. On peut sortir. Allez, on sort. Rapport de catastrophe. Alors, répercussion. 199 morts quand même. 91 bâtiments détruits. 2,6 km de route détruite. 66 bâtiments incendiés. 24 arbres incendiés. Ok, on a le feu un peu partout, on a des morts un peu partout. Ok, on a une autoroute complètement niquée. On a une faille qui est apparue dans la ville. Problème d'électricité, oh putain. Pourquoi problème d'électricité? Quoi, on produit assez normalement. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici? Un mort attend d'être transporté à la centrale nucléaire. Ok. Bon, les pompiers, si vous pouvez régler un petit peu les incendies. Oh purée, en plus on est en pleine nuit, on voit que dalle. Oh là 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 là. Oui, oui. Peut-être gérer l'autoroute parce que là c'est. «
connexion. On a un gros problème d'électricité, je sais pas ce qui s'est passé. Les câbles sont coupés quelque part. Jama, jama, jama. C'est bon? C'est bon. Ok, alors les morts, vous me saoulez. On verra ça un peu plus tard. Là, vous m'avez niqué mon flow. Deux secondes, les bouloulous. Deux secondes. Je sais, ça va vous embêter à mort. Je sais, c'est drama. On a une jolie faille. C'était ça. C'est énorme ce truc en plus. Attends, je vais pas savoir le replacer. Putain, c'est pas possible. C'est quoi? Un dépôt de voirie. Putain, c'était vraiment ça que j'avais foutu, mais c'est énorme. Top ça pour l'instant. Vas-y là, putain, tais-toi putain. Parce que je sais que ça passe, normalement il y avait ça avant. C'est les deux trucs qui t'emmerdent là. Moi je te les détruis, hein, les deux trucs. Ok. Okay. Alors c'est très moche, hein, maintenant, mais bon. C'est chum! Mais c'est relié. Enfin, presque. J'avais deux bretelles là, du coup. Ok.
ça n'a pas de sens, ça, par contre. Là. Voilà. Ok. Ici, j'ai une zone complètement sinistrée. Mais alors, complètement, j'ai complètement. Putain, mais le jour peut pas se lever en plus parce que c'est vraiment le bordel. Des trucs moches de chez moche. Oh non, tu vas passer. Voilà. Je m'en fous, tu passes en dessous. Voilà, tu vois, tout est possible avec un peu de bordel, tout est possible. Voilà. Qu'est-ce que what? Oh. Ça, ça répare pas. Dépôt de la voirie. État des rues, machin. Faites votre boulot. On cherche des survivants. C'est quoi ce destin? Ah bah oui, on cherche des survivants. Il y a trop de morts partout. Effectivement, crématorium, ça commence à être un peu juste. Tac. Ok. Ouh là là. Ouh là 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 là. Old music for old listeners. J'ai oublié cette phrase. S'il y a plus d'eau. Laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer. On va y arriver.
Voilà. Ok. Après, l'eau. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? C'est dispo, pourquoi il n'y a plus d'eau par endroit? Ah non, c'est juste que j'avais pas mis les bons. Les bonnes canalisations. Quel bêta. Pour reconstruction. Ah, c'est un collège. Alors, bon, on va un petit peu changer quand même le... Notre ville porte les stigmates de ce tremblement de terre. N'est-ce pas tragique? Mais nous nous relèverons. Qu'est-ce qui se passe avec les déchets aussi? Oh, mais il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un concours de mort d'un coup là ou quoi? Ça vous êtes relou là. On manque d'eau là-bas, on manque d'eau. Waouh, waouh, waouh. Okay. Bon, gérez vos morts parce que là c'est un peu le bordel. Avec tout ça, j'ai pas pu faire mon nouveau quartier. Je suis très peiné. Très peiné, l'opfillon. Alors, beaucoup de demandes commerciales. Petite zone commerciale ici. Ça va être le bordel, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre des résidences. Ok. Phew! Et ben, quel épisode! Voilà, ça fait une heure, il s'est quand même passé pas mal de trucs, il y a des morts partout dans cette ville. Ça a 62 000 habitants, c'est super. Tout le monde se jette par la fenêtre à cause du tremblement de terre. Non mais regardez-moi ça. C'est terrible, on a quand même bien réussi à reconstruire le truc. Youpi, ça n'a... Bon, maintenant c'est ici pour le truc.
servi à rien. Bon, il y a un peu moins de... Un peu moins, on va dire. Ça a l'air fluide quand même, malgré tout. Là, par contre, sur le train, c'est la galère. Ici, sur celui-ci de rond-point, c'est la galère aussi. Et là aussi, parce qu'ils doivent... Oh là là, faut faire un rond-point ici, en plus. Vraiment. Et alors là, ce rond-point-ci, je t'en parle même pas. Oh là là. Ouh. Ok, on y réfléchira lors du prochain épisode. De toute façon, il y aura les nouveaux moyens de transport dans le prochain... Dans le prochain épisode, on aura le nouveau DLC Mass Transit qui sort à la mi-mai, je vous le rappelle. Si cet épisode vous a plu, bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en soutien aux 199 morts de Bourg-Saint-Eustache, donc qui ont péri dans ce triste séisme. On se retrouve très très vite. D'ici là, n'hésitez pas à consulter mes autres let's play. Pour ça, vous cliquez sur la description de cette vidéo. Vous avez une liste complète. Par exemple, j'ai lancé Bayonetta et Yooka-Laylee très récemment. Un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire pour me dire « Ah mon dieu, t'as laissé des gens mourir, c'est pas bien. » Et puis voilà, je trouve que la ville quand même commence à avoir de la gueule, même si elle s'est fait péter la gueule justement. On verra ce qu'on pourra améliorer la fois prochaine, en espérant que les morts rentrent chez eux. Merci à tous et à très vite. Salut.